Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il n'est plus dans le tombeau. Il a vaincu la mort. Il a payé nos péchés. Il nous donne la vie. Jésus-Christ sortant du tombeau, c'est vraiment la victoire. La victoire de la lumière sur les ténèbres. La victoire de Jésus-Christ sur le malin. Il nous a rachetés. Il a tout payé. Et donc nous allons célébrer la résurrection de Christ le jour de Pâques. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on y pense. Et on va en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment l'occasion de louer le Seigneur et de le glorifier. Je vous invite à chercher le numéro 67. Numéro 67 dans notre repère. 67. À l'Alliance sur son trône. 67. Merci notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chercher le numéro 119. Numéro 119, notre recueil de chants. 119. Rédempteur adorable. Numéro 119, Rédempteur adorable. Thank you.
Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Dans quelques mots, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie que Jésus-Christ est bien vivant? Qui m'aurait pu dire juste en quelques mots? Ça change. Voilà. Ça change tout. Ça change tout, oui. Jésus est vivant. Qu'est-ce que ça change? Il a vécu la mort. Attends, peut-être, Rav, tu veux... On n'a pas longtemps. Encore. Qu'est-ce que Jésus-Christ, ressuscité, vivant, a changé dans ta vie dans quelques mots? Ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir. L'espérance. L'espérance. Encore. Je suis libre. Libre. La liberté. Affranchi. Il est vivant et il prend soin de moi. Il est vivant, il prend soin de moi. Oui. J'ai l'assurance du salut. L'assurance du salut. Amen. Encore. Que Jésus-Christ est vivant, qu'est-ce que ça change dans votre vie? La peur. On n'a plus de peur. On n'a plus besoin d'avoir de peur. On sait que grâce à Jésus, la mort n'a plus de prise sur nous. La mort n'a plus. La victoire, c'est la mort. L'assurance. L'assurance. Encore. Jésus, c'est la vie. C'est la vie. Et la lumière. Encore. Ça change dans votre vie. Et Jésus est ressuscité. J'ai la paix dans mon cœur. La paix dans mon cœur. Encore. Il est mort pour notre péché. Il est mort pour nos péchés. Et il vit pour lui donner la vie. Et le pardon. Encore. Je suis affranchi de l'esclavage du monde. Voilà. Affranchi de l'esclavage du monde. Jésus nous aime et nous demande d'aimer nos frères. Amen. C'est vrai. Et puis, il nous donne la vie éternelle. Ah, la vie éternelle. Du changement dans nos cœurs et du changement dans notre vie spirituelle. Il change les choses. Savoir aussi qu'on a les mêmes souffrances que les autres dans le monde qui sont inconvertis, mais on a l'assurance d'avoir toujours Jésus avec nous si on obéit à sa parole. Et c'est une assurance, quelque chose de merveilleux, ou l'année dernière, au mois de juin. Et c'est vrai que quand on a toujours Jésus avec nous et qui nous aide dans nos faiblesses, dans nos façons de faire, et puis on a des combats, mais on est toujours vainqueur. Mmh. C'est toujours vainqueur. Encore. Moi, cela veut dire aussi que la parole de Dieu s'accomplit toujours. La recherche de son esprit spirituel et de son corps. Alex aussi. Une nouvelle famille en lui. Une nouvelle famille en Jésus-Christ. Ça change beaucoup que Jésus est ressuscité. S'il serait resté dans le tombeau, ça ne changerait pas grand-chose. Ressuscité, ça change tout. Amen. Bien. On va chanter maintenant numéro 1 dans notre cantique, à toi la gloire. Le premier, à toi la gloire, ô ressuscité. Oui, levons-nous pour chanter celui-ci. À toi la gloire.
les annonces, la rime prière aura lieu chez Madeleine, mardi soir. Donc, c'est après ça. Si vous voulez venir prier avec nous, nous allons nous porter en discipline à 17h30, ou bien vous vous retrouvez simplement chez Madeleine à l'Aversaire. C'est rue Kennedy, à l'Aversaire. Et puis, mercredi après-midi à 14h45 et jeudi soir à 20h, nous avons notre étude biblique. Nous sommes en train de parler des aspects de la vie chrétienne. Et vous êtes bienvenus à venir. Mais si jamais vous êtes loin et vous voulez participer à ces études, cette semaine, on a fait la première expérience sur Skype. On avait Nielsen, on avait Rav et François et Marley qui suivaient l'étude biblique jeudi soir aussi sur Skype. Et je peux mettre jusqu'à 8 personnes, enfin 7 autres, moi-même plus 7 autres personnes. Donc si ça vous dit, faites-moi savoir, et jeudi soir ou mercredi après-midi, vous pourrez suivre les études, voir si ça marche. C'est notre première expérience cette semaine, on verra. Donc l'étude biblique, et puis vendredi soir, 20h, il n'y aura pas les hommes. Mais monsieur, vous êtes conviés pour une soirée avec... on mange ensemble, on discute, on refait le monde avec le Seigneur. Et puis, on a étudié la Bible et on prie ensemble. Donc, monsieur, vous êtes le bienvenu tous, vendredi soir à 20h. Je ne sais pas si j'ai d'autres annonces. C'est non. La chorale va venir. Ils ont préparé toute une série de chants. Ils vont chanter à la gloire du Seigneur. Donc, je vais inviter le chorale à venir. Je vais te faire ça. Love.
tes seins dans la tombe. Mais, 3 jours plus tard, thank you.
François de nous faire la lecture biblique. Donc je vais demander de venir faire cette lecture biblique. Et après quoi, juste après, on laisse la partie des enfants et que nous ouvre la parole. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qui ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Ils prirent ces discours pour des rêveries. Et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors, Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses, et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous
lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comme ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusqu'à Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Nous aurons laissé les enfants aller dans leur classe. On laisse les enfants aller dans leur classe. La résurrection de Jésus-Christ est le miracle le plus important de toute la Bible. La résurrection de Jésus-Christ, c'est le miracle qui change tout dans notre vie. L'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens 15, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Le miracle, les autres miracles dans la Bible, ce soit celui de Moïse. Moïse qui a ouvert la mer Rouge. Moïse qui a nourri le peuple avec la manne pendant 40 ans. Que ce soit celui d'Élie. Élie qui a appelé le feu de descendre du ciel. Élie qui a ressuscité un mort. Ou même que ce soit les autres miracles de Jésus-Christ, qui a guéri des malades, ressuscité des morts. Il a multiplié les pains, il a marché sur l'eau, il a calmé la tempête. Les miracles de Jésus, ces autres miracles sont importants, ça nous fait voir sa puissance. Mais ces miracles-là,
ne change pas grand-chose dans ma vie, même si je peux apprendre des choses selon ce bon Seigneur. Mais sa résurrection d'entre les morts, qu'il est revenu à la vie, lui qui était mort, qu'il est sorti vainqueur du tombeau, cela, ça change tout. Ça change tout. Mais la résurrection, c'est essentiel pour notre salut. La résurrection, c'est là où il a vaincu le péché. Il nous a rachetés des mains du diable. Il nous donne la vie éternelle. Parce qu'il est sorti vainqueur du tombeau. Nous savons que les apôtres, quand on voulait arrêter Jésus, ils étaient peureux, ils étaient craintifs, ils se sont sauvés parce qu'ils avaient peur. Mais on trouve ces mêmes apôtres, 50 jours plus tard, le jour de Pentecôte, en train de se lever et prêcher avec audace que Jésus-Christ ait vécu la mort, qu'il a vécu la mort, qu'il est au-dessus de tout cela, qu'il a donné la victoire. C'est Jésus ressuscité qui a changé tout cela. Parmi les 12 apôtres, il y a Judas qui a trahi le Seigneur, mais 10 des 11 qui restaient sont morts de mort de martyr. Il n'y a que l'apôtre Jean qui est mort de vieillesse. Les 10 autres sont morts parce qu'ils croyaient, ils prêchaient Jésus-Christ. Parce qu'ils croyaient, ils prêchaient Jésus-Christ mort, ressuscité et revenant en nous donnant la vie éternelle. Est-ce que vous mourrez pour quelque chose si vous savez que ce n'est pas vrai? Eux, ils savaient que c'était vrai. Et ils se sont donnés en martyr pour leur foi. De toutes les religions faites de main d'homme, Jésus-Christ sort de l'eau parce qu'il est le seul d'être mort, enseveli et ressuscité. Quand on trouve Jésus sur la croix, il est question de l'eau et du sang qui est sorti. C'est une évidence, une preuve qu'il est bel et bien mort sur la croix. Les historiens tels que Joseph, qui est un historien juif, qui n'était pas chrétien, mais il parle des chrétiens du premier siècle, il dit, il croit, il prêche que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Les pères de l'Église en parlent de la résurrection. Et eux, ils ont connu les apôtres qui ont vu Jésus ressuscité. Jésus-Christ, il a dit ce qui était annoncé par les prophètes et les a accomplis. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, dans le passage que François nous a lu, dans Luc chapitre 24, nous allons relever que les apôtres étaient des sceptiques au départ. Ils étaient des sceptiques et ils doutaient que Jésus était vraiment ressuscité. Et nous allons voir cela dans ce passage, que Dieu, Jésus-Christ, les a transformés d'être des sceptiques, d'être des croyants en Jésus-Christ. Jésus-Christ victorieux. Une chose intéressante, les ennemis de Jésus-Christ ont compris que Jésus a dit, je vais aller à Jérusalem, je vais être jugé, mis à mort, et 3 jours plus tard, je vais ressusciter. Donc les ennemis de Jésus, ils ont compris ce que les apôtres n'ont pas compris. Même si Jésus l'a dit clairement. Mais les apôtres, ils attendaient autre chose. Mais en fin de compte, le fait qu'il y avait une garde qui gardait le tombeau, ça veut dire que ce n'est pas les apôtres qui sont venus le chercher. Ce n'est pas même un Jésus de mort qui est sorti du tombeau. Ils ont vu la manifestation de Jésus-Christ ressuscité, glorifié. Ils ont vu, ils sont, eux, les soldats, les grands hommes, ils sont des costauds, ce n'est pas les peureux, et ils se sont sauvés face à Jésus ressuscité. Ce passage nous parle de Jésus-Christ, de sa résurrection, et que ces apôtres qui ne croyaient pas, c'était difficile de les convaincre,
Mais une fois qu'ils étaient convaincus, ils ont été transformés dans les hommes de Dieu qui ont bouleversé le monde. Vous vous rendez compte que ce petit poignet de croyants, ils ont bouleversé le monde de leur époque. Donc, d'abord, réfléchissons à ce groupe de femmes qui avaient assisté à l'enterrement de Jésus. Donc, elles savaient exactement où était le tombeau. Et on voit qu'elles sont allées, Jésus est mort, enseveli. Ils attendent après le sabbat, donc le premier jour de la semaine, le dimanche. Et on voit qu'elle vient de bonne heure pour embaumer le corps de Jésus. Et notre évangile nous dit, même, elle se pose la question, qui va déplacer la pierre qui est devant? Et en chemin, elles allaient voir un mort. Mais quand elles sont arrivées, comme ce que nous avons vu dans le passage, elles ont trouvé la pierre, elle était roulée, le tombeau était ouvert, le corps de Jésus n'y était plus, et on découvre qu'il y a deux anges, et l'un a dit que « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Pourquoi cherchons le vivant parmi les morts ?» Et puis, nous voyons dans ce passage que Jésus avait annoncé sa mort et résurrection. Et ces femmes, elles partent vite pour aller dire aux disciples qu'on leur dit que Jésus est ressuscité. Et quand elles arrivent, elles annoncent, et on voit le verset 11, Matthieu chapitre 24, verset 11, les disciples, on pense qu'ils seraient joyeux et tout excités, et on penserait que voilà la victoire. Le verset 11. Ils prirent ces discours pour les rêveries. Et ils ne crurent pas ces femmes. Les disciples ne voulaient pas croire ce que ces femmes ont dit. Quand ils entendent parler de la résurrection, c'est quelque chose de trop belle pour être vrai. C'est quelque chose qui est impensable. Les disciples qui avaient cru plutôt que Jésus allait être le roi, que Jésus il allait libérer les Juifs de l'emprise des Romains, ils avaient espéré que Jésus allait être le libérateur qui allait restaurer Israël dans sa grandeur. C'est ça qu'ils attendaient. Et même quand Ponce Pilate a interrogé Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et il a dit, « Mais mon royaume n'est pas de cette terre, mais c'est de là-haut. » Ponce Pilate, il tremblait devant Jésus. Et il finit par le faire condamner à mort. Mais les disciples avaient attendu une délivrance politique. Mais Jésus est venu pour une délivrance encore plus grande, de nous délivrer de l'emprise, du péché, de nous donner la vie éternelle, un salut éternel et spirituel. Eux, ils attendaient que Jésus change la société, mais il est venu changer l'individu, changer chacun de nous, transformer notre vie. Les disciples, ils ne croyaient pas. Ils disent que c'est une rêve. Mais le problème, c'est que leurs yeux étaient fixés sur une espérance matérielle, tandis que Jésus est venu nous délivrer de quelque chose d'éternel. Leur espoir était mal placé. Et donc quand Jésus parle de sa mort et de sa résurrection, ils ne pouvaient pas le comprendre parce que ça n'entrait pas dans leurs idées préconçues. Et très souvent, les gens, ils refusent de croire parce qu'ils ont des idées préconçues de ce que c'est le christianisme, ce que c'est le message de Christ. Et puis ils disent, je ne peux pas croire à cela. Mais ils ont des idées préconçues qui sont fausses.
Mais Jésus, il est plus qu'un rêve, il est une réalité. Les disciples, ils n'ont pas voulu croire à ces femmes, les premiers témoins de la résurrection. Et dans le passage, les questions de Pierre et de notre évangile, on voit que c'est Pierre et Jean, tous les deux, ils sont allés en courant au tombeau. Et eux, ils ont vu, on peut dire, les bandes et tout cela, ceux dans lesquels Jésus a été enterré, là, par terre. Symbole de la mort par terre, parce que Jésus n'était plus. Mais ils n'ont pas vu le Seigneur. Donc, la première chose qu'on voit dans ce passage, c'est que les disciples n'ont pas cru les femmes qui ont parlé de la résurrection. Il ne faut pas être étonné quand nous annonçons aux gens que Jésus est ressuscité. Et il nous dit, quelque chose ne va pas là-dedans. C'est fou, mais la folie du monde, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est la folie pour le monde. Et puis on découvre deux disciples sur la route d'Emmaüs. Ils allaient à Emmaüs, qui était à peu près 11 km de Jérusalem. Et en chemin, ils parlaient de tout ce qui s'est passé à Jérusalem. Ils ont parlé de la crucifixion que Jésus jugeait. Et eux, ils ne comprennent pas, ils sont dans la confusion totale. Et là, on découvre que Jésus, il va se joindre à eux, mais il va faire de telle sorte qu'ils ne le reconnaissent pas. Je ne sais pas comment Jésus fait, est-ce qu'il change son visage, est-ce qu'il a mis quelque chose sur les yeux pour qu'il ne voit pas, je ne sais pas. Mais ces deux disciples étaient tellement, on peut dire, dans leur tristesse, et que Jésus, il le dit au verset 17, de quoi entretenez-vous en marchant? Et il dit, mais est-ce que vous êtes le seul de tout le monde à Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé? Bien sûr, la nouvelle s'est répandue. Jésus de Nazareth, le sauveur du monde, a été crucifié, il est mort. Les hommes religieux, mais la religion est-il Jésus? Nous ne prêchons pas une religion, mais une relation avec le Sauveur. Vous savez, ce n'est pas l'Église baptiste qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas une organisation qui sauve, c'est Jésus qui sauve. On prêche une personne qui est notre sauveur. Notre espérance est en lui. Mais on voit au verset 21 qu'il dit, il répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu, devant tout le peuple, et comment les principaux serviteurs, les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, et ils l'ont crucifié. Nous espérons ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Et puis le verset 25, Jésus qui s'est joint à eux, qui voit leur conversation de désespoir. Verset 25, alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et donc le cœur est lent à croire, tout ce que l'on dit, les prophètes. » Lente à croire, sans intelligence. Autrement, il dit, est-ce que vous êtes fou? Vous êtes ignorant? Est-ce que vous êtes dur et vous ne voulez pas comprendre? Vous ne voulez pas croire ce que les prophètes ont annoncé? Et Jésus, il ouvre les textes publics. Et sûrement, il a parlé de Moïse avec les sacrifices, les agneaux, les animaux qui étaient sacrifiés comme image de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sûrement, il a parlé de Joseph qui a été haï de ses frères, et Jésus qui a haï de ses frères, et combien il était vendu, comme Joseph était vendu, et que, après, il est élevé en gloire. Comme Joseph. Sûrement, il a parlé de Psaume chapitre 22, un passage de l'Ancien Testament qui décrit d'une façon incroyable la crucifixion. Et pourtant, l'époque que David écrit le Psaume chapitre 22, la crucifixion n'existait pas comme moyen de mise à mort. Les Juifs lapidaient les gens. Mais là, on décrit
quelqu'un qui est suspendu sur la croix en train de souffrir. Souvent, il a parlé d'Ésaïe chapitre 53, qui décrit le Messie comme un agneau mené à la boucherie, qui allait mourir pour nos péchés, pour être chargé de nos fautes, de notre culpabilité. Sûrement, Jésus a cité dans le psaume qui a dit « Son corps ne verrait pas la corruption » en parlant de sa résurrection. En fait, il y a des centaines de versets bibliques dans l'Ancien Testament qui prophétisent sur Jésus-Christ. Certains sont très clairs, certains sont moins. Mais il y a des dizaines qui sont si clairs qu'on ne peut pas les comprendre autrement. Donc, Jésus, il prend la parole de Dieu pour répondre à leur incrédulité. La Bible, la parole de Dieu, est vivante, efficace. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous manquez la foi, c'est dans ce livre que vous allez trouver la foi. La réponse à l'incrédulité, oui, c'est la parole de Dieu, ce qui est révélé par les prophètes à travers toute une période où Dieu s'est révélé aux hommes, a parlé à travers ces hommes. Et puis, Jésus avec les deux disciples sur la route d'Emmaüs, ils sont émerveillés de ce qu'ils entendent. Ils vont dire, notre cœur ne brûlait pas quand il parlait. Et puis, ils vont arriver et Jésus va prétendre vouloir aller plus loin. Non, on va aller manger avec nous, on va continuer. Restez là, c'est le soir. Et ils entrent et quand Jésus rompt le pain, leurs yeux s'ouvrent et ils comprennent, ils ont compris. Ils ont compris que c'est Jésus. Ils ont vu Jésus. Leur intelligence a été ouverte et ils ont compris. Et là, Jésus, il disparaît. Mais on peut voir, ils étaient aveugles, ils ne voyaient pas Jésus, mais quand Jésus n'était plus là, ils l'ont vu. Par la foi, ils ont compris. Jésus, il a disparu devant eux. Ils savaient que c'était Jésus. Et puis, ces deux disciples, ils ont pensé courir pour revenir à Jérusalem pour parler aux autres disciples. Les autres qui, eux, ils ont resté à Jérusalem. Et ils sont sûrement revenus à Jérusalem plus vite que ceux qui sont venus. Quand vous êtes Christ, vous marchez tout lentement. Et quand vous êtes quelque chose, vous allez courir. Et quand ils arrivent au verset 37 de ce chapitre, nous lisons, saisis de frayeur, Jésus, ils arrivent, ils racontent, et Jésus, il apparaît au milieu d'eux, verset 36, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux, et leur dit, la paix soit avec vous. Verset 37, saisis de frayeur et épouvante, ils croyaient voir un esprit. Autrement dit, quand Jésus a apparu à ses disciples, à ses apôtres, ils ont dit, on voit un fantôme, on voit l'esprit. Mais Jésus dit, non, c'est moi, vous pouvez me toucher. Vous pouvez, même la première fois qu'il est apparu, Thomas n'était pas là. Et puis, un peu plus tard, il va réapparaître avec Thomas là. Mais entre-temps, Thomas aurait dit, je ne croirais que si je ne peux pas mettre mes doigts dans le trou de ses mains, dans son côté, si je ne peux pas le toucher, je ne croirais pas. Comme les gens disent, je crois que ce que je vois. Pourtant, on voit beaucoup de choses qu'on n'a pas vues. Est-ce que vous avez un cerveau? Combien sont un cerveau? Combien si vous avez vu votre cerveau? Vous êtes sûr que vous en avez un? Bien sûr. On voit beaucoup de choses qu'on n'a pas vues. Est-ce que vous n'avez jamais vu l'amour? On voit ce que fait l'amour. Mais on ne peut pas mettre l'amour sur un microscope pour le regarder. Pour ne pas le toucher, pour le voir ce que ça fait. Et quand Jésus va apparaître un peu plus tard avec Thomas, Thomas va croire. Et Jésus va lui dire, parce que tu m'as vu, tu as cru.
Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il est une plus grande bénédiction de croire en Jésus sans l'avoir vu. De croire par la foi, la Bible sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous sommes sauvés par la foi, on est pardonnés par la foi, on a la nouvelle vie en Christ par la foi, on est délivré des liens du péché par la foi en Jésus-Christ. Et en Corinthiens chapitre 15, ça décrit l'évangile, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort, il est enterré, il est ressuscité, il est mort pour le péché, et celui qui croit en lui a la vie éternelle, il est pardonné. Oui. Les disciples, ils étaient lents à croire. Nous voyons le verset 41, incroyable. Luc chapitre 24, verset 41, comme dans leur joie, ils ont vu Jésus ressuscité, ils ne croyaient pas encore. Ils étaient des durs. Ce n'étaient pas des gens faciles à convaincre, les disciples. Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, Simon, André, il y en a 12, il y a moi, Judas Iscariote, il y a 11 là, qui ne croient pas encore, ils sont dans la confusion, ils ne croient pas leurs yeux. Vous savez, les gens disent, je ne crois que ce que je vois, mais je vous garantis que c'est Jésus-Christ lui-même venu ici, et paraître au milieu de nous, et puis il y a des gens qui ne croiraient pas. On voit des histoires dans le Nouveau Testament, des gens qui ont vu la puissance de Jésus-Christ, ils ont vu Lazare ressuscité, et puis ils ont comploté de faire mourir Lazare, parce qu'il était un mauvais témoignage par rapport à ce qu'ils voulaient faire croire. Et puis nous voyons dans ce passage que Jésus... Il va leur enseigner. À partir du verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, c'est le Pentateuque, dans les prophètes et dans les psaumes, dans les livres poétiques. Et c'est vrai, on trouve à travers tout l'Ancien Testament les passages qui nous parlent de Jésus. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrerait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, et à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Jésus, il leur expliquait la parole de Dieu. Et on voit que Jésus, en leur expliquant, leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent, pour saisir ce que Dieu a révélé. Il a mis la lumière sur la parole de Dieu, sur la Bible, pour qu'ils comprennent. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capables de comprendre. Et combien nous avons besoin de vouloir comprendre. Il n'y a pas de plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il n'y a pas de plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. L'essentiel de son message, c'est que Christ devait souffrir pour nos péchés, qu'il prêchait la repentance, c'est un changement de pensée, où on change de pensée sur ce qu'on pensait de croire la vérité. Et là, on reçoit le pardon de nos péchés. On est né de nouveau, une nouvelle vie qui commence. Le message de Pâques, c'est un message d'espoir et de vie. Par la foi, croyez au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Croyez au Seigneur Jésus et vous aurez la vie. Croyez en Jésus-Christ et vous trouvez le chemin, la vérité, la vie. Croyez au Seigneur Jésus, Jésus-Christ, mort pour nos péchés, mais ressuscité et vivant, et revenant un jour nous chercher, il y a de l'espoir. L'espoir pour celui qui croit. Mes amis, je vous invite
de croire vraiment en Jésus ressuscité. Je sais que la plupart parmi nous, nous croyons. Mais même nous les croyons, on est trop souvent comme des disciples. On le voit, on le croit, mais on ne croit pas. On vit autrement et ça, c'est pas bon. Nous avons besoin de croire et de vivre. Le fait que Jésus est ressuscité, il est vivant, il est avec nous. Il marche avec nous dans la vallée de l'ombre, de la mort. Quand nous sommes dans les épreuves, dans les difficultés, il ne nous abandonne pas. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mes amis, mes frères, mes sœurs, saisissons. Saisissons la réalité du message du Christ, ressuscité et vivant. Prions au Seigneur. Notre Seigneur, nous voulons te louer parce que tu es vivant. Nous voulons te louer, Seigneur, parce que tu es ressuscité et que tu reviens un jour nous chercher. Nous voulons te louer, Seigneur, parce que c'est en toi que nous avons l'espoir. Et Seigneur, c'est parmi nous aujourd'hui. Il y en a qui manquent la foi, Seigneur, qui crient à toi, qui cherchent à croire, à comprendre, à saisir tes promesses. Et Seigneur, même parmi ceux qui sont des croyants en Jésus-Christ, ô Seigneur, que tu nous pardonnes de notre façon de vivre, trop souvent qui ressemble plutôt à un Christ mort qu'à un Christ vivant. Ô Seigneur, que tu transformes notre vie et que tu en sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chercher le numéro 250 dans notre recueil. 250. J'espère que vous avez trouvé la paix en lui par la foi. Amen.